Et c'est reparti pour la suite de New Super Mario Bros. U Deluxe. On attaque les dunes de miel. Oh, la grosse pierre qui nous regarde avec des gros yeux. Un peu monter sur les arbres. Il y a un truc que je viens de voir. Excusez-moi, j'étais en train de remettre en place mon casque. Regardez les yeux de la statue. Complètement embrouillé. Ah mince! J'aurais voulu garder l'écureuil. Super. Ok. Oh, je suis dégoûté. Non, je peux pas. Je peux pas. Ah, si je peux. Allez, déplie de pièces. Alors, je sais pas si ça va nous déclencher quelque chose d'avoir. Je vais tenter d'avoir toutes les pièces étoiles. Est-ce qu'on va avoir des niveaux bonus ou un truc comme ça? Super. Oh, 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 ça m'intéresse ce que t'as dans les mains. Viens là toi, petit coquin. Non. Reviens, 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 reviens. J'aimerais bien qu'il repasse l'écureuil volant. Il est là, il est là. Mais c'est pas possible. Voilà. Eh bah dis donc. C'est ça, bien sûr qu'il y avait quelque chose là-haut. Et est-ce que ça transforme tout en pièces? Bien évidemment. Ah, par contre, je peux pas. Oula, c'est dangereux. Je peux pas m'envoler avec une carapace dans les mains. Ah, non, non. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Tout s'écroule. Regardez au fond. Une espèce de gâteau.
Ah, le lapin crétin. Malheur, Carotin a volé mon sac. Je n'arriverai jamais à le rattraper avec mes petites jambes. Pitié, tu dois m'aider. Eh ben, on va aller voir Carotin tout de suite. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais plus quoi faire. Cette fripouille a filé sous mon nez. Vite, rattrape-le, s'il te plaît. Il s'est dirigé vers la plaine du Grand Chêne. N'hésite pas à emprunter les tuyaux pour aller plus vite. Oh, alors ce bruit me rappelle tellement le bruit des canons dans Super Mario 64. Aïe, aïe, aïe. C'est trop bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec Carotin? Rattraper Carotin. J'ai 100 secondes. Alors toi, tu vas passer un sale quart d'heure. Tu vas souffrir. Oh, stupide. Ah, mais ça me ralentit, ça. Oh, tu as récupéré mon sac. Tiens, en guise de remerciement, ça te sera sûrement utile dans ton aventure. Mais qu'est-ce que ça aille? Un champignon P. Alors, pareil, frappe les blocs pour obtenir ce qu'ils contiennent. Garde-toi si tu tombes sur Bowser. Ah, plus dur, là, maintenant. Oh oui, plus dur, mais on suit quand même. C'est bon, je crois que je les ai. Yes. Pareil, cette musique. Super Nintendo, Super Mario 64. À droite, allez. Ah, bon, on va le prendre. On la voit la pièce étoile, on la voit la pièce étoile, allez. Oh, mais comment je vais là-haut? Mais c'est pareil en fait, j'aurais dû garder l'écureuil. Par contre, j'ai pas moyen de sauter plus haut. Il me faut la pièce, à tout prix. Ok. On peut passer de justesse. Oh, un bébé Yoshi dans le noir.
D'accord. Ils sont bien les bébés Yoshi. Hein. Oui, alors par contre, faut pas que je me trompe avec l'autre, le pouvoir de l'autre bébé Yoshi. Mais oui, mais il m'a fait sauter. Ah, oh, bébé Yosh. Là, du coup, je sais pas s'il faut que je reprenne la pièce. Génial. Ah si, il faut. Qui m'est passé dessus. Ah oui, il mange les plantes. Ça c'est bien, ça c'est bien mon bébé Yoshi. Vas-y, mange. Ça va te faire du calcium. Bravo, bravo, bravo. Ah, alors par contre... Tiens, va là-bas. Et je fais comment? Ah! Je suis où? Ah mais c'est... D'accord, ok, c'est bon. J'ai vu comment je pouvais faire... Ah, il mange tout, mais il mange tout. Il est tellement bien ce bébé Yoshi. Un vrai glouton. Oh ! Vite, vite. Yes. Génial, tout ça pour ça. Oh, non. Mais non, je suis dégoûté. Il faut donc que j'aille prendre
l'autre pièce, du coup. Ah, mais mince. Ah, mais non. Ah, mais non, je suis pas assez grand. Il me faut un champi à tout prix. Ou une fleur. Oh, ça va, mais merci Yoshi. Vraiment. C'est pas vrai. Bah voilà, directement. Vite, mange-le. C'est pas possible. Ah. Dis tout. On va y arriver, vous en faites pas. J'ai cru que j'allais mourir encore. En fait, il faut bien diriger le Yoshi vers les ennemis. J'ai eu de la chance. Encore. Tiens, mange. Faire attention, on va surtout pas tomber. Mais eux là, j'en peux plus d'eux. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Superbe le décor en fond. Oh. Où tu vas, j'ai besoin de toi, moi. Mais il est complètement parti. Il m'a laissé en plan. Attention à cette flamme. Bon, ça va, je crois qu'on est à la fin. J'aime bien. Hein. C'est beau. C'est bien fait. C'est là qu'on va tester l'objet. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Epic Pokéz. Epic Poké.
Ah, ah mais c'est le... Est-ce que je peux me faire toucher? Je sais pas. Ah mais je peux voler. Je sais pas. En tout cas, ça fait bien du bruit. Non, on va conserver ce que j'ai. C'est bien ce que j'ai. Ah mais je peux le faire à l'infini. Ok, non. Oula, oula. Doucement, doucement. Ok, mais... Ah mince, bah voilà. Voilà, bravo. Bravo. Alors, comment je peux choper ça? Attendez, attendez. Ah, je peux pas aller là-haut. Si? Non, peut-être. Bien sûr. Il fallait vraiment aller là-haut. Il fait noir, il fait noir, il fait noir. C'est là que j'aurais besoin de Baby Yoshi qui... Lampe torche, voilà, Baby Yoshi lampe torche. Bravo. Vous me gênez les gars. Mais je suis déjà à la fin. Mince, j'ai loupé une pièce. C'est pas grave, on y retournera un peu plus tard.
On tourne. C'est parti. Je fais exprès. Ah mais mince. Attendez, là maintenant. Trop tard. Oh, je fais n'importe quoi. Là. Génial ces mécaniques. Ok. Trop tard, beaucoup trop tard. Ah mais eux vont m'embêter là. Ah mais là, vous êtes gentils les copains. Là on a un tuyau jaune. Ah. Est-ce que c'est là que serait... La dernière pièce. Bon, vous m'embêtez, vous. Voilà. J'en ai soupé. J'essaie de voir s'il n'y a pas un bug caché. Il me faut la pièce. Ha. Je pense que je l'ai raté. D'accord, j'ai compris. J'ai pigé. Ouais, j'ai raté la pièce. Le tuyau jaune, je pense que c'est ça. On va pas laisser une seconde de répit.
C'est beau. Ok, on a le récapitulatif ici. Je vais tester... On va tester tous les persos. Là, je teste Ludi. D'accord, je pige un peu le truc. J'ai pigé le truc. Eh oui. Oh, le coquin. Alors, les canons bourrés de pièces et de bonus. Il faut que je prenne plus de vie que de Bowser. Voilà, donc déjà... On a un Bowser. Une vie. Deux vies. Deux contre un. Trois contre un. Ah ! Trois contre deux. Quatre contre deux. 4 contre 3. C'est le bordel. C'est mieux que tout à l'heure déjà. Bon, on est passé tranquille. Superbe. Ah, nouveau jeu. Ce jeu consiste à déposer un Baby Yoshi de chaque couleur sur le panneau correspondant. Il s'agit d'être vif car ses petites canailles ne tiennent pas en place. On va voir ce que ça donne. Avec un peu d'astuce, on peut gagner plein d'objets, mais gare au Bowser. J'ai pas compris là. J'ai pas pigé. Ah oui, il est bleu avec les... Oui, il est bleu. Il est bleu sur les bleus. Mais pourquoi vous allez là, les enfants? C'est bon? C'est pas du tout ça qu'il fallait faire en fait. Mais c'était les panneaux. Et les panneaux... Alors là... Je sais pas ce qu'il faut faire. C'est bien. Bah vous savez quoi, on va... Hop là. Un Yoshi de chaque couleur sur chaque... Ah non. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire. Ah mais si, ok, c'est bon. J'ai compris. D'accord. Pas de chance, ce sera pour une prochaine fois. Je pouvais faire ça pendant un quart d'heure. Aïe. Ok. Pluie de pierre. Eux aussi, on les connaît. Oh.
pas faire la même erreur. Super. Luigi écureuil volant. Attention là. Attention. Et bam. Ok, je l'ai vu, la seconde pièce. Ça c'est ok. Bon, c'est pas grave. Ça aussi, ça rappelle une mécanique de Super Mario 3D World. Peut-être justement que la mécanique a été... Alors j'ai vu le tuyau. Hein. La mécanique a été empruntée de ce jeu pour Super Mario 3D World. Je pense que c'est même plutôt dans ce sens-là. Qu'est-ce que je fais, moi? Mais non. J'hallucine. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. faut que je le refasse. Faut que je le refasse, sinon je vais oublier. On reviendra ici avec notre petit Luigi écureuil. J'ai demandé de baisse de frame avec la Switch, c'est incroyable. Ça ne fait pas ça avec les autres consoles. Parfait. Donc là, il s'agit de ne pas se faire toucher. Bien ça, mon petit Luigi. C'est pas bien ça, mon petit Luigi. Du coup, ça va m'embêter pour. Oui, bien sûr. Du coup, faut être dans le bon timing et faire tomber la pièce sur la plateforme. Donc, Y, R, on est d'accord. Là. Vite. Ouh. Je vais tester Todd. Et pareil, je pense qu'on va se faire un de ces jours Captain de Todd. Captain Treasure. Todd, je sais plus quoi. Vous voyez, je pense de quoi je parle. Un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, avec le DLC, enfin moi j'ai le pass. C'est comme avoir le DLC. Et on a des niveaux issus de Super Mario Odyssey. Dans Captain Todd Treasure. Super Captain. Thank you.
Ah, ok. On les arrête, d'accord. Dès qu'on les touche, ils s'arrêtent à la même hauteur. Très bien. Viens. Viens à moi. Super. Le mode Indiana Jones. Ah mais va-t'en, laisse-moi tranquille. Vous pouvez pas me lâcher, monsieur. N'importe quoi. Là, qu'est-ce que je fais? Mais toi, va-t'en! J'arrive pas à la voir! Eh oui, trop tard, beaucoup trop tard! Par contre, comment je fais là? Comment je fais pour attraper la pièce? C'est compliqué, dites-moi. Oh, c'est une cata ici. Hop. Ouh, attention Todd. Attention, je t'ai dit Todd. Toujours pas. T'es pas dans le bon timing. Hein. Là, c'est bien. Par contre... Ah, donc il faut venir avec un tuyau. C'est dommage, je pensais que c'était celui-là, mais apparemment non. Bon, bah, j'ai loupé le tuyau. Ce qui est fort regrettable. Est-ce que je le refais tout de suite? Allez. J'y vais vite. Mais eux sont horribles. Ah, vous me saoulez. J'en ai ras le pompon. Ce que je veux, c'est un champi. Champi ou fleur, ça m'irait. Par contre, je regarde bien, voilà. Donc, première pièce, c'est ici. Il
faut que je trouve un tuyau. Hein. Mais c'est ça en fait, non? Non, non, j'y suis allé là-dedans. Ah, d'accord. Mais... comment je fais pour rentrer là-dedans? Je vais mourir. Non, il n'y a rien de particulier. Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas. On verra ça plus tard. Elle est Toadette maintenant. Autour de Toadette. Ah mais il y a Carotin aussi. Ah mais d'accord, facile. Ah ok, d'accord. Je pense que ça doit... très facile avec Carotin. Bon, et ben on revient sur Mario. Hola Kitou, salut, comment tu vas? T'es vraiment pas sympa. Hein. Super. Tout ça pour tuer la Kitou. Malheureusement, je peux rien lui faire à elle. Ah ! Vite, vite. Ça fait trop dur. Trop dur de l'avoir, la fleur. Oh, il y a quelque chose là-haut. Mais comment on fait? Il me faut l'écureuil. J'ai pas l'écureuil. Peut-être qu'on l'aura là. Pas du tout. Je veux l'écureuil. Ok. C'est bon ça. Ah mais... ouf. C'est pas bon ça. Thank you.
Eh bien, allons au château Pilon de Morton, Morton, et ce sera le dernier niveau pour ce soir. Y a rien là-haut ? Si, je pense que si. Je suis allé trop tôt. Heureusement que j'ai ramassé plein d'idées, pardon. Oula. C'est la fin de soirée. Je suis un peu fatigué. Complètement eu. Ah, le saligo. Et oui, il s'accroche à toutes les parois. Oui, il y a carotin, là. Qu'est-ce que tu fais là, mon pote? Bah, j'irai plus tard. Te voir. Pour l'instant, j'ai d'autres chats à fouetter. Trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. La panique. La panique. Tu m'auras pas deux fois. Ah! Je pensais pas qu'il y avait un tuyau ici. C'est parfait, ça. C'est génial. C'est génial. J'ai dehors. Attention à la mort qui nous guette. Bon timing, bon timing. Bon. Ouh, purée. Ouh.
bien géré pour l'instant. Attention. Toi, tu m'embêtes. Ok. Oh, il m'embête tellement. Oh. Bon, ok. C'était perdu d'avance. C'était sûr. Non. Là, il faut vite monter. Vite, deux étages, et là... Parfait. Ouais, là, c'est pareil, il faut vite y aller. Impeccable. Et là-haut... À quoi ? Ah ! Une cachette de piécettes. Ah, une grande cachette de piécettes. D'accord. Là, qu'est-ce qu'on peut avoir ? C'est quoi ? Ah, c'est boule de feu. C'est bien, on colle à la thématique du château. Avec la lave et tout ça. Bon, là, je me laisse pas avoir deux fois, pareil. Oui. 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 Bonjour. Bonjour. Ok. Bonjour. Comment on fait ? Ok. Ok, oula, 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 il joue au golf. Ok. Attention, t'as la tête nue. Allez, vas-y, recommence de l'autre côté. Vas-y, vas-y, vas-y. Croquer, ah non. Golf, là c'est croquer, croquer. Croquer, golf là, golf et croquer. Ah non, bien joué. Plus droit à l'erreur. Attention, c'est quoi, c'est quoi? Golf, golf, golf. Ok, que du golf, ok. Sauvegarder, bien sûr. Allons voir ce qu'il y a en haut de cette échelle. Ah, mon sorbet en haut. Mère Mentalon en bas. On s'arrête donc là pour aujourd'hui. Très belle session Mario ce soir. Jolie découverte. Voilà donc un petit peu mon ressenti sur ces deux premières heures de Let's Play. Je trouve vraiment bien, vraiment sympa. Voilà, après c'est vrai que si je le compare par exemple à Yoshi's Crafted World, bon, c'est un jeu Yoshi's Crafted World qui a été conçu, je crois, qui a été conçu sur la Switch. Donc déjà, il y a un petit peu d'avance. Mais même en tant que gameplay et tout ça, je trouve même en tant que... Enfin, avec les décors et l'interaction avec les décors, bien sûr, c'est Yoshi's Crafted World qui arrive en tête. Mais bon, là, c'est juste en comparant les deux, parce que je fais les deux le mardi. Donc, pour l'instant, mon coup de cœur en ce moment, c'est vraiment Yoshi's Crafted World. Voilà. Mais celui-là est bien aussi. Hein. Il est sympa, et moi, ça me met dans le bain pour... Super Mario Bros. Wonder qui arrive le 20 octobre, dans pas longtemps, dans un mois et demi. Donc voilà, bah écoutez, on continue mardi prochain à 21h.
Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit. Et à très vite. D'ailleurs, on se retrouve demain. Alors demain, j'avais dit que c'était le soir, l'entraînement Mario Kart. C'est possible que ce soit dans l'après-midi. J'ai pas encore décidé l'heure. Voilà, mais si vous me suivez sur Twitter, vous verrez à quelle heure je commence. Voilà, ce sera plutôt un live impromptu. Donc je verrai demain, selon mes disponibilités. Je vous remercie. Et on se voit très vite. Salut tout le monde.